et re-YouTube. Suite de nos aventures sur Horizon Forbidden West. Nous reprenons et nous enchaînons avec un petit peu de scénario. Nous nous sommes mis à jour, du moins sur ce qu'on pouvait faire. Je suis juste curieux, je veux juste aller voir ce petit point là. Parce qu'on a un feu de camp, on a ça. Par contre, je trouve en vrai un défaut entre guillemets du jeu, je trouve qu'il y a beaucoup trop de feu de camp. Ah yes! En fait, c'est limite, ça devient trop simple de. Bah, de se créer des points safe. Bah, genre tous les 150 mètres, tu sais que tu peux sauvegarder. Donc, même en difficulté vraiment très élevée, t'as quand même moyen de. Bah, de te faire des saves et d'être sûr de pas te niquer sur la progression, quoi. Mais c'est un peu excessif. Je pourrais peut-être me servir de ça pour entrer. Oui, mais tu viens de le faire, Aloy. Ok. Et donc là. Ok. Je suis pas convaincu là. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Non mais t'as du savon sous les chaussures ou ça se passe comment là? Bon. Du coup comment on rentre? C'est là. Oh non. Comment on rentre? Là? J'y crois pas une seconde. Non, pas du tout. Ah, pardon. Pardon. Je suis aveugle. C'est juste que mine de rien, moi sur mon écran de jeu, c'est quand même un peu plus contrasté que vous, ce que vous voyez sur les VOD. Du coup, des trucs qui peut-être vous semblent évidents quand c'est un peu sombre, mais où ça va, on voit quelque chose. Bah moi, des fois, je vois rien en fait. Bon, c'est aussi parce que je suis dissident que je suis pas attentif, mais... Ici Roméo, quel est votre statut actuel? Vol 41, ajustez votre cap pour éviter la colonie. Vous confirmez? Terminé. Vol 41, merci de confirmer. Attends, on aurait pu... Non mais on aurait pu passer par là. Les capteurs indiquent que leur cabine est dépressurisée. Si l'équipage est mort, ils sont en pilote automatique. Quoi qu'il soit arrivé aux gens de cet avion, ils n'ont pas pu répondre. Il doit y avoir un autre enregistreur de vol qui émet un signal. Ça veut dire qu'on a tout ça encore à faire. Je peux peut-être le traquer. Je pense qu'après le scénario, on ira faire ça. Étrangère, le chef Ecaro et le maréchal Cotalo t'attendent à l'intérieur. D'accord. Bon, je sens que ça va partir en couille. Le coulroute ne devrait plus tarder. Ensuite, je pourrai accéder à la salle qui se trouve sous le trône d'Ecaro. Et à Ether. Est-ce que l'appareil fonctionne correctement? Oui. Merci de m'aider à le réparer. Ah mais attends, on peut lui parler? La balise de position des enregistrements m'en a fait trouver d'autres. Mais le signal ne s'étend pas toujours très loin. Tu as de la chance que les anciens te parlent. J'aimerais pouvoir les entendre. Les nouvelles voix que j'ai trouvées vont t'aider? Je ne sais pas grand-chose de cette autre bataille dont proviennent ces enregistrements.
Donc tout ce que je peux apprendre m'aide à comprendre comment ils se battaient. Eh, j'ai trouvé d'autres voix qui pourraient t'intéresser. Je suis sûre qu'elles m'apprendront beaucoup. D'accord. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on va prendre ? Vas-y. Hein. Merci. Je vais m'assurer que l'histoire de ces soldats soit répétée. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches en les écoutant. Ici Roméo, quel est votre statut actuel ? Vol 41 a juste allez, zou. Pour éviter la colonie. Vous confirmez ? Terminé. Étrangère, le chef t'attend dans l'arène, derrière le trône. Mmh. Alors on avait vu qu'il y avait des choses aussi derrière. Hein. J'espère que quand juste je les scanne, ça compte. Musée. Ouais, si c'est bon, ça compte. Ok. Ça compte, ça compte. Alors, est-ce qu'il y a des trucs ? Une autre partie des ruines. Ils en ont fait une arène de combat. Ah ouais, j'avoue, t'as, c'est méga vaste. Ah, ça pourrait m'être utile. Une armure. Putain, j'avoue, c'est méga vaste. Ouais, d'accord, ok, je vois le délire. Je vois le délire. Aloy, il m'a été rapporté que tu avais déplacé des montagnes au rempart. Littéralement. Kotalo a aidé. Oui. Tekote a été puni devant le clan tout entier. C'est du beau travail. Mais l'heure du coule-route est venue. Certains vont participer, et d'autres vont regarder. Ils savent que Regala agira. Je ferai tout pour respecter ma part du marché tant que vous respectez la vôtre. Bon, quel est le plan ? Kotalo. Il n'existe que deux approches pour attaquer cette arène. La salle du trône dont tu viens, ou l'accès qui se trouve au nord. On a placé des barricades. Mais si Regala veut frapper le coule-route avec ses machines, elle va devoir passer par le nord. Tu y rejoindras nos défenseurs. Repousse-la, et j'aurai mes maréchaux. Je te libérerai de mon service et tu auras ta récompense. Je te conseille vivement de te préparer. Une fois que le coule-route a commencé, il sera trop tard. La reine, le bosquet... Ils font partie de la même structure antique ? Oui. Ici, la Terre se souvient du sacrifice des Dix. Leurs exploits inscrits pour l'éternité.
Un sacrifice ? Les visions nous ont révélé qu'en ce lieu même, ils ont donné leur vie pour abattre les machines. Le Coolroot leur rend hommage à l'endroit de leur mort. Je sais où je serai, mais vous, vous serez où ? Je reste avec le chef, là où je dois être. Si nous devons combattre, nous en profiterons pour venger nos disparus. Si ça devient nécessaire, les défenses tiendront. Il est temps d'en finir. Bien. Tu trouveras Deka à la barricade nord avec les autres défenseurs. Que les 10 guident ton arme. Nous nous verrons après le combat. D'accord. Que les lames s'expriment. Et ces machines tombées. Et les marées. Regardez-les. Regardez-les. Gala va bientôt. Bon, en vrai, vu qu'il y a des coffres et tout là-dedans, là, c'est que ça va partir en sucette. Hein. Voilà ce côté. Avec ses sbires, bien sûr. Et bien comme il faut. Hein. Bon, et lui, là. Le pleutre. Oriental. Je pensais pas que le commandant du ciel en personne serait présent. Si jamais mes candidats venaient à affronter Regala, il est normal que leur commandant partage leur destin. Ou tu veux peut-être sauver les apparences après l'affaire du rempart ? Prends garde à toi. Ma lance en a embroché pour beaucoup moins que ça. Je garderai ma lance pour les troupes de Regala à ta place. D'accord, un petit dialogue juste pour lui envoyer un fion. C'est bien. Bon. Bon. Les défenseurs des carreaux devraient se trouver au bout de cette tranchée. Eh ben, let's go, hein. Je fais comment pour y aller par là ? Bah non. Ah non, bah il y avait juste une échelle, idiot. Il faut terrasser les machines. Une fois détruite, dites-vous que les forces de Regala ne seront pas supérieures aux nôtres. Oui, Chaplain. Serrez-vous les coudes. Allez, rompez. Nos soldats sont parés. Ils protégeront le Coolroot par la terre. Le ciel, en revanche. Pas mal. Où tu l'as trouvé ? Une de nos escouades l'a récupéré sur une machine. Je t'en prie, à toi l'honneur. Regala a beau être féroce, nous saurons lui montrer notre force. Grenade. Le Coolroot va débuter. Notre lutte requiert du sang neuf. Des héros. Lâchez les proies. Candidats, approchez. Tous ceux qui abattront une machine seront nommés maréchaux. Souvenez-vous des 10.
frappez depuis les airs, à leur manière, et la gloire vous attend. Protégez le coup de route.
approcher, ouvre le feu! Hey! C'est ça, par ici, gros lombrique! À l'aide. J'espère que les Ténacs pourront tirer quelques fois avec cette baliste. D'accord. Mon lance-câble il est où? Ah dommage. Deux secondes, mon lance-câble. Il s'est jamais pris les pièges, je le déteste. Oui. Dans combien? Elle est trop près. Oui. Bah écoute, je fais ce que je peux. Hein. Bah tiens, MDR. Let's go. Ah c'est con ça. J'ai pas d'ouverture. Éloigne la machine de la balise. C'est tout sauf ce que je voulais faire. Hein. Lâchez-le. Non. En fait, c'est bien à distance cette arme.
Galava s'en prendre à Ekaro. Écoute, Allo, je dois les rejoindre. Ouais, alors, juste question à 1 million. Est-ce que je peux retourner en arrière pour looter toutes les bestioles que j'ai défoncées? Je pense pas. Non mais c'est vrai que cette arme elle est vraiment cool hein. Je pense que quand on en aura une légendaire là, ça va défourailler hein. Ça va défourailler sec. Bon, je sais que c'est un peu anticlimatique de pas rusher comme ça. Bon alors. Vous voyez ? L'ensemble de mes forces et le sang des partisans d'Ekaro jaillira à flot. Votre attention, je vous félicite. Vous avez terrassé vos ennemis, ceux de métal et ceux de chair. Je vous nomme tous maréchaux. Votre premier ordre est de débarrasser l'arène de tous les rebelles restants. Allez. Il est au bout de sa life. J'ai échoué. J'aurais dû achever Regala. Mais elle reviendra avec d'autres machines, plus fortes que jamais. Je ferai tout ce que je peux pour aider. Non, tu en as fait assez. Bien plus que ne t'y obligeait notre marché. Quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de ta vraie mission dont nous dépendons tous. Je n'étais pas certain de te croire alors. Mais maintenant, oui. Alors laisse-moi. Et mets-toi à la tâche. Qu'allez-vous faire? Réparer ça. Ce que tu cherches est là, vas-y. Tes exploits rejoignent ceux des 10 dans nos mémoires. Il est vraiment beaucoup trop cool ce perso hein. J'y suis. Ether est en bas.
Let's go, hein. Oups. C'est quoi cet endroit? Là, cette console. Allez, Ether. On rentre à la maison. Elisabeth Sobek, grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction subordonnée Ether dans le code d'origine. Je l'ai. Je dois le rapporter à Gaïa. Ok. Les visions du Bosquet ont changé. Les mots de vie prennent maintenant. Y a rien à looter, vraiment. Attends, moi je m'attendais à un temple de fou en fait. Et bah au final, non. Je m'attendais vraiment à un temple de fou. S'il te plaît, Aloy, approche. Les visions du Bosquet ne sont plus les mêmes. Et celle-ci vient d'apparaître. Est-ce que c'est de ton fait? Les visions ont changé. Aussi celle qui a inspiré le chef Ekaro. D'autres témoignages venant des anciens. Écoutez maintenant les mots qui ont réuni un peuple. Suite aux événements tragiques de la guerre, Anne Faraday, l'architecte en chef de l'effort de réconciliation, s'est adressée à une nation en mal d'espoir. Si nous regardons le futur, à travers le prisme du passé, nous ne verrons que la peur. La guerre menée contre les machines, le manque de nourriture et le manque d'eau, les tempêtes qui viennent nous chasser de nos maisons. Mais le courage, c'est affronter ses peurs avec conviction et ne pas céder au cynisme. Le fait de lutter pour la paix, en compagnie de ces femmes et de ces hommes courageux, ces maréchaux du nouveau Sud-Ouest, n'a fait que renforcer ma conviction que lorsque nous sommes vraiment unis, nous ne craignons plus aucune menace. Venez, rejoignez-nous dans ce combat et luttez en faveur d'une nation qui ne sombre ni dans le besoin, ni la guerre. J'attends tes ordres, commandante. Je viens avec toi. Mais Ekaro a besoin de toi. Grâce à ton aide, il a ses maréchaux. Et un appel à l'union que les clans ne peuvent ignorer. Alors je propose de t'accompagner dans ta mission. Je t'offre ce qu'il reste de ma vie. C'est la voie que je choisis. Je vois mal comment refuser. Zo, je connais quelqu'un qui veut nous rejoindre. Tu vas partir à sa rencontre dans les collines pour lui montrer le chemin. D'accord, Aloy. Va dans les montagnes, à l'ouest de Mélopée. Une de mes connaissances t'attendra là-bas.
Je vous rejoins dès que possible. Une connaissance. Voilà qui est intéressant. Que ta lame brille. Ouais, oh, limite, on aurait pu l'emmener, hein. Il faut que je rapporte Ether à Gaïa. J'ai l'impression que sa capture a eu un effet sur les autres hologrammes. Oula ! Je devrais peut-être jeter un œil. Ah, et checker tous les autres hologrammes ? Ah ouais ? Ok. Mais ouais, c'est con, on aurait pu l'emmener, comme ça on discute avec lui. Voir en fait, nous donner l'option d'une ellipse, où on voit quelques bribes de cinématiques, où ils discutent. Ah, parce qu'au début il était... genre il montrait l'écran en permanence, et puis au fur et à mesure il s'est un peu adouci, et c'est le bro maintenant. Alors attendez, parce que visiblement elle dit ouais, vas-y check les hologrammes. Et surtout que on a des quêtes annexes ici. Ces candidats devraient nous offrir un beau. On a des quêtes annexes ici. Donc, attendez, je veux bien voir. Les hommes de la JTF-10 défendaient des points essentiels pour l'insurrection. Au cœur de la jungle, camouflés dans la boue et les ténèbres, ils posaient des pièges pour leurs ennemis. Monsieur. J'ai enfin gagné assez de médailles de zone de chasse pour faire affaire à... Bien le bonjour. La dernière bataille contre Regala. Admirez le courage de la JTF-10 dans les montagnes de la zone rouge. Formés pour la survie, conditionnés à tous les climats, les soldats de la JTF-10 étaient des défenseurs d'élite jusqu'aux régions les plus reculées. 15 sur 23. J'espère que j'en ai pas loupé. Découvrez comment la JTF-10 est parvenue à... T'as par contre toutes les machines que j'ai défoncées qu'on va pas pouvoir looter. De points clés dans le désert. Alors que les autres craignaient les tempêtes de sable, les soldats de la 10 y attendaient les véhicules de ravitaillement ennemi. Admirez le courage de la JTF-10. J'arrive pas à croire qu'une tempête a anéanti le village entier. Je sais, mais au moins la plupart de nos soldats... Sur le terrain, grâce comme à la base, il paraît. Les membres de la JTF-10 ne faisaient selon qu'un. Nos éclaireurs, menés par le colonel Édouard de la Hoya, Regala va leur corps et leurs armes étaient toujours affûtés pour le combat. Manière ou d'une autre, les repas, l'encre, les coups. On sera coincé ici. Non, Aloy. Ces têtes brûlées des cieux partagées. Aurais-tu un moment. Mais putain ! Pardon. Bon. Ah, je supporte pas ça. T'es là, tu prends ton temps, t'essaies d'écouter un peu l'or et t'as un PNJ, il veut à tout prix te parler. Oh, tu veux me parler? Oh, tu veux me parler? C'est insupportable. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Le temps qu'il me faudrait pour gagner un gallon complet dans une épreuve, je pourrais gagner 3 demi-gallons. Comment ça, inconnu, inconnu, inconnu? Eh oui, mais ça, c'est parce que j'ai débloqué. D'accord, bon, attendez, j'y retourne. Regala est en marche. Ça, c'est parce que j'ai débloqué l'accès derrière. Du coup, ça me propose des trucs maintenant. Est-ce que je peux passer par là? Je pense pas. Ouais, non. Bon, on refait le tour. Et c'est pas par là. Je vais pas m'énerver. Je peux y retourner, oui. Ah non, je peux pas y retourner? Mais pourquoi?
Mais pourquoi? Ah, ou peut-être par là? Oh bordel. Oh bordel. Bon, attendez. On va déclencher les quêtes. La dernière bataille contre Regala. Qu'est-ce que tu as fait? Par le sang des dix à l'œil. Regala repoussé. La vérité des visions révélées. Il n'y a pas assez de place sur ta peau pour tous tes exploits. Eh ben, il faudra s'en souvenir, alors. Eh bien, grâce à toi, le chef est encore en vie. Et l'espoir renaît. Mais ce n'est pas de cela que je voulais te parler. J'ai besoin de ton aide. C'est personnel. C'est mon petit-fils, Kavo. Il ne fait pas partie des morts. Donc, il doit encore se trouver avec ce qui reste des forces de Regala. Il a été fait prisonnier? Non. Il a choisi de les rejoindre. Comme beaucoup d'autres jeunes soldats qui souhaitent marquer leur peau de leurs plus grands exploits. Je dois le retrouver. Et le convaincre de rentrer. Le chef Ikaro ne peut pas me donner de soldats pour cette tâche. Et je me retrouve... seul avec ma lame. À moins que tu ne te joignes à moi. Je sais que j'en demande beaucoup après tout ce que tu as fait. Mais Kavo est le dernier de ma lignée. Pourquoi Kavo a-t-il rejoint la rébellion? Pour certains, Regala représente une chance de se venger contre les Karja. Pendant les raids rouges, ça n'a pas été facile de faire revenir les clans à Cagnard. Beaucoup ont voulu poursuivre les Karja jusqu'à Méridian. Donc, quand Regala a attaqué l'ambassade, ils se sont dit que c'était le moment. Oui. Mais d'autres, les jeunes en particulier, ne recherchent que la gloire de vaincre un ennemi de longue date. Quant à Kavo, c'était sûrement un peu des deux. Et le désir puéril de trouver une cause plus exaltante. Tout ce que je lui ai dit n'a servi à rien. Mais si Kavo ne t'a pas écouté quand il a rejoint les rebelles, pourquoi le ferait-il maintenant? Kavo était trop jeune à l'époque des Raids Rouges. Il ne connaissait pas la guerre. Mais il a dû comprendre la souffrance que cela apporte à présent. Il m'écoutera. Il le faut. Je dois le retrouver avant qu'il soit trop tard. Kavo est le dernier de ta famille encore en vie? Oui. Avant le chef Ikaro, les clans combattaient sans cesse les uns contre les autres. À chaque conflit, nous perdions l'un des nôtres. Un par un, j'ai enterré mes enfants. Et puis, leurs enfants. Je suis désolée. J'ai voulu faire mon deuil sur le champ de bataille. Mais cela n'a servi à rien. Seule la sagesse des visions m'a aidée. Malheureusement, je n'ai pas su empêcher Kavo de suivre cette voie sanglante. Si Kavo a rejoint la rébellion de Regala de son plein gré, et Karo acceptera-t-il son retour? Le chef sait se montrer clément, et il connaît le prix de querelles sans fin. C'est le reste de la tribu qui m'inquiète le plus. Ils n'accepteront pas si vite quelqu'un qui les a trahis. Même avec mon soutien, ce ne sera pas facile. Mais tu dois essayer. Je vais t'aider à le retrouver, je te le promets. Par où on commence? D'après nos éclaireurs, l'escouade de Kavo a quitté un avant-poste de Regala dans les collines pour aller vers le sud. Son escouade n'est pas revenue, mais les éclaireurs ont également repéré l'une des nôtres, qui est tenue prisonnière là-bas. Alors allons à l'avant-poste. Libérons la prisonnière, elle saura peut-être où est l'escouade. On se met en route? Je dois m'occuper de plusieurs autres choses avant. Je te rejoindrai. Je t'attendrai sur la crête au sud-est du bosquet. De là, nous pourrons rejoindre l'avant-poste. D'ici là, bon vent. Ouais, bon, désolé, mais voilà, il y a plein de choses à déclencher, donc... J'ai entendu dire que derrière le territoire Karja se trouvent des terres très différentes des nôtres. Les Oferam, les donc, voilà.
et ils sont tous très sympas. Ah oui, mais voilà, on peut accéder par là. Championne, je crains qu'on ait à nouveau besoin de ta force et de ta générosité. Dis-lui clairement, Duca. La tribu a besoin de la reine. Elle est notre seul espoir de pouvoir la rouvrir. Vous avez besoin de la reine ? Mais le Coolroot est fini. C'est vrai, mais la reine nous sert également à remonter le moral de la tribu. On l'utilise pour s'entraîner. On y rassemble des machines pour que nos soldats puissent vivre l'intensité du combat dans un espace contrôlé. Ce qui, bien sûr, leur remonte le moral. Mais le chef Ekaro ne nous laissera pas rouvrir l'arène tant que la balise qui la protège ne sera pas réparée. On s'en sert quand une machine est incontrôlable. Elle a été endommagée pendant le Coolroot. Les pièces qu'il nous faut sont très difficiles à trouver. J'ai compris. Vous voulez que j'aille chasser des machines pour récupérer ces pièces. Quelqu'un d'autre pourrait le faire, mais toutes les escouades du bosquet sont en alerte. Bien sûr, il y aura une compensation. Pas vrai, Kala ? Bien sûr. Une fois que la reine aura réouvert ses portes, on serait honoré de t'inviter à y combattre. Une grande variété de machines sera disponible. Et je te récompenserai pour tes victoires. Pas seulement celles dans l'arène, également celles obtenues dans les zones de chasse. Tu pourras échanger tes médailles contre les meilleurs équipements de la tribu. Pour réparer la baliste, il nous faut un tendon de gyrodors, ainsi que des défenses de fouisseurs. Ces deux types de machines ont été signalés près d'un feu de camp au sud-est. Quand t'auras fini, rapporte-moi les pièces à la gueule de la reine, du côté nord-est du bosquet. D'accord, je verrai ce que je peux faire. Bon. Encore une chose, si tu retournes dans les terres sauvages, j'ai un autre service à te demander pour le moral des soldats. Une tâche regrettable. Chaque soldat Ténac porte une plaque gravée du symbole de son escouade. Mais les rebelles gardent les plaques des soldats qu'ils ont tués. Tu pourras trouver ces plaques dans tous les avant-postes ennemis. Non, mais si oui, tu okay. en vois, rapporte-les-moi. Okay. Je veillerai à ce qu'on les donne aux coéquipiers et aux familles des soldats. Ça me va. Avoir une preuve peut les aider à faire leur deuil. Et il y a des primes à récupérer, au cas où ça t'intéresse. Ouais. J'ai déjà trouvé ce type de plaque. Je n'ai pas de quoi te payer ici. Apporte-les-moi dans l'arène quand tu le pourras. Mais il faut ouvrir Merci, l'arène pour championne. Ça. Merci, championne. Et s'il te plaît, n'oublie pas les pièces pour la baliste. Ouais, bon, après peut-être que j'ai déjà les pièces. J'ai déjà les pièces. Ah non, pas du tout. Territoire du Gyrodors. Ah oui, il me faut un tendon du Gyrodors de ses morts. Bon, génial. Et elle nous a parlé de récompenses, même par rapport aux nos médailles dans les zones de chasse. Hein. Alors, je pense que la ressource, je vais la trouver vraiment sur lui. À coup sûr, là, ici. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'y aille. Là, maintenant. Sauf que... Eh bien, c'est bientôt la fin de l'épisode. Eh, remarque, tout est dans la même direction. Ah, du coup, elle nous ferait peut-être faire cet avant-poste. Tout est dans la même direction, donc en fait, on pourrait s'en occuper. Parler à Pentala, à Alit, ça, faut que je le fasse. Hein. Rejoindre la base. Ah ok, faut que je rejoigne la base aussi pour ça. D'accord. Bon. Comment vous dire ? Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais juste sauvegarder. Eh ben écoutez. Je dois partir au sud-est. Ici ? Ouais. Gyrodors. J'ai déjà assez de défense de fouisseur sur moi. Ouais. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder et on va s'arrêter là. Parce que bon. Ça va prendre du temps là, ce qu'on a à faire. Donc on fera ça la prochaine fois, hein, histoire de voir ce que l'arène nous propose. Donc peut-être qu'on s'occupera de l'arène. On verra les récompenses, hein. Du coup ça se trouve on aura des stuff de fou et ça ce sera bien, ce sera une bonne chose. Donc peut-être un équipement qui nous permettrait de faire le défi qu'on n'avait pas réussi à golder précédemment dans la zone de chasse. Ce serait pas mal aussi.
Donc bon voilà, beaucoup de choses qui nous restent à faire. On a aussi le nord ici là, à défricher, mais vraiment vénère. Donc ça, ça va nous demander beaucoup de temps, mais on a un creuset. On a un creuset, donc en plus voilà, Pentala est là, donc il y a une boîte noire, il y a beaucoup de choses possibles à faire. Les grilleuses, ok, donc ça on pourrait aussi s'en occuper. Enfin voilà, on a beaucoup de choses en fait, là j'ai vraiment exploré de manière un peu trop erratique à mon goût. Du coup, complicado quoi. Et j'espère que le creuset va nous permettre de checker ça. Ce serait pas mal. Donc, il nous reste encore beaucoup à faire. Et quand on voit que... le temps que ça prend d'explorer, quand je vois qu'il me reste tout ça à faire. Ensuite, tout ça, ça ira avec le scénario qui est dans la zone. Il y a tout ça. Là, il y a 1 milliard de quêtes. Et ça, ça va... Après, c'est juste pour la chasse. Hein, mais ça va être... ça va swinguer un peu. Ça va swinguer. Bref. Des bisous YouTube. Et à très vite pour la suite de nos aventures. Et portez-vous bien.